Il est 7h du matin sur la plage de l'Armor Baden. La stabilité, c'est bon? Ok, allez, on y va. Alors la gîte à gauche. Alain Yang vit au bord du golfe du Morbihan. En même temps que tu gîtes, ça te fera tourner le kayak. Allez, on y va. Tu nous suis, Brice. Voilà. Là, l'objectif, c'est la pointe là-bas. Okay. Chaque week-end, il encadre bénévolement un groupe de kayakistes. Ida, tu restes avec Bernard, mais essayez de ne pas vous faire distancer. Allez, quand tu veux, Fabien, c'est bon, la route est à toi. Avec leur guide, ces habitants de la région s'initient aux subtilités de la navigation au plus près des rochers. C'est un décompresseur, c'est un médicament. On se vide la tête, on pense à rien. Parce qu'en kayak, on voit les choses différemment. C'est magique. Le golfe du Morbihan est un espace naturel unique en Europe. Cette vaste étendue maritime de 20 km sur 15 est parsemée d'une quarantaine d'îles habitées et d'îlots sauvages. Entre ciel, terre et mer, elle varie au gré des marées et dévoile des paysages de landes et de vasières. Le golfe s'ouvre sur l'océan Atlantique à Port Navalo. Il est alimenté par quatre fleuves côtiers, comme la rivière Dorée. Elles permettent aux navires de remonter vers l'intérieur des terres, jusqu'au port de Saint-Goustan. Ce havre, qui n'a pas changé depuis le XVIIe siècle, raconte l'histoire maritime du Morbihan. Ici, on déchargeait des cargaisons de vin, de sel et de fer venus de Biscaye. En retour, les bateaux repartaient chargés de céréales, de poissons, de draps et de toiles de Bretagne. Avant de regagner la haute mer, les marins devaient déjà affronter les puissants courants qui sont la marque du golfe du Morbihan. C'est bon, c'est bon. Dans certains passages, ils rendent la navigation particulièrement périlleuse. Sur la gauche, t'es trop loin devant. Allez. Allez. Ce matin, Alain Yang guide son groupe au cœur du flot de la jument. Deuxième courant le plus fort en Europe, la jument prend aux grandes marées des allures de torrent. Sa vitesse peut atteindre 20 km/h. Allez, c'est bon. On y va. Allez, c'est bon. Si on a peur de traverser la jument, on ne peut pas connaître le golfe. Il faut pouvoir jouer avec les courants, il faut être capable d'aller contre le courant, d'aller avec le courant. Par contre, c'est tout le temps bougeant. C'est jamais au même endroit. Ça peut se décaler d'une dizaine de mètres, en fait. Allez, c'est bon. Regarde où tu vas, Brice. Regarde devant toi. Devant toi. Tu vois, c'est le jeu des courants et des contres aussi, hein, dans le golf. Hein. Écoute bien, Annick. Et calquez-vous sur Corentin, regardez. Allez, allez. Après avoir traversé le courant de la jument, le groupe se dirige vers Erlanik. Cet îlot témoigne d'une occupation humaine qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ. Ici, des hommes ont érigé un cercle de 49 menhirs. Classé au titre des monuments historiques, cet ensemble de mégalithes est aujourd'hui partiellement immergé. Quand ils ont été érigés, le golfe, c'était pas le golfe. Le golfe, c'était de la terre. On était sur une colline. C'est pour ça que les cailloux sont dans l'eau.
particulièrement. Vas-y, circulaire, encore une, voilà, pas mal. Et des fois, il ne faut pas hésiter à prononcer le mouvement, parce que tu penses être dans la bonne ligne et il repart aussi sec ton kayak. Donc des fois, il faut l'engager un tout petit peu plus. C'est chouette. Bon, je suis un peu concentré sur ce que je dois faire plutôt que regarder autour, mais c'est super. Circulaire à droite, circulaire à droite, circulaire à droite, circulaire à droite. Encore une. Allez, des deux côtés, des deux côtés. Pierre-Laurent Constantin étudie l'histoire du Morbihan depuis une quinzaine d'années. Pas monté encore. Allez, encore, 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 encore. C'est la première fois qu'il parcourt le golfe en kayak. C'est chouette de se dire que pour une fois, je vais naviguer au-dessus de l'histoire. Au lieu de marcher dedans ou éventuellement d'aller creuser dessous, là, pour le coup, on va passer au-dessus. La région que l'historien connaît le mieux se situe plus à l'ouest. Pour l'atteindre, il faut sortir du golfe et longer la baie de Quiberon. Après le port de la Trinité-sur-Mer, une langue de terre s'étend sur plus de 14 km. La presqu'île de Quiberon. Ici, le décor change. La côte sauvage se dévoile face à la houle de l'Atlantique. Le vent et la mer sculptent le relief. Les vagues viennent se fracasser sur des falaises escarpées. Ce site classé, propriété du Conservatoire du Littoral, est devenu l'un des hauts lieux du surf en France. Il est 6h du matin à Port-Rue. Ils sont une vingtaine de Morbihanais, fous de glisse, à profiter des rouleaux. Pierre Laurent, l'historien, est aussi un surfeur confirmé. Il vient profiter des vagues avant d'aller travailler. On n'a pas de vent, on a une petite houle et la marée descend, donc ça devrait un peu gonfler et il n'y a pas de monde. C'est petit, mais ça peut être sympa. Dans moins d'une heure, Pierre Laurent est attendu à une quarantaine de kilomètres des plages de Quiberon. Lorsqu'il quitte son Anjou natal pour s'installer dans le Morbihan, le coup de foudre est immédiat. J'arrive ici en 97 et puis je me rends compte assez vite que y a du surf. Et puis il y a du patrimoine et il y a de l'histoire. Donc j'avais la mer, les vagues, et puis chapelle, château. Je me dis tiens, ce serait pas mal sur ce territoire-là, il y a moyen d'associer ces deux passions. Bon, j'avoue que je me fais souvent charrier à l'eau
comme étant effectivement le Gugus qui cause de chapelles, de vieilles pierres et de vieux châteaux à 200 mètres au large. Il y en a même qui pensent que c'est une stratégie en fait. C'est-à-dire que je parle beaucoup, je leur raconte des histoires, comme ça ils écoutent plus ou moins, ils font pas gaffe, les vagues arrivent et c'est moi qui les prends. Pierre-Laurent Constantin se dirige vers l'ouest du département, en direction de l'embouchure du Blavet. Ce fleuve coupe le Morbihan du nord au sud. Tout au long de cette véritable artère de 148 km, des dizaines de monuments racontent l'histoire du sud de la Bretagne. Voici le château de Loc-Guénolé. Édifié à la fin du XVIIIe siècle, il est sur un domaine qui appartient à la même famille depuis 500 ans. Six kilomètres plus loin, apparaît l'ancienne ville médiévale d'Ennebon. C'est ici que Pierre-Laurent travaille. La cité a bien failli être rayée de la carte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Ennebon aussi, petite ville du Morbihan, la lutte a été dure. Le 7 août 1944, la ville s'apprête à être libérée. Le viaduc est debout par miracle. Mais l'ennemi se cache encore dans tous les coins. Il faut le forcer comme un gibier. Et là aussi, tout le monde s'y met. Face à l'avancée des troupes alliées, l'armée allemande reflue. Elle est poursuivie par un bataillon de résistants. En réponse, les Allemands bombardent la cité. Les ponts sont dynamités et des obus incendiaires embrasent tout le centre historique. À la sortie de la guerre, Ennebon est une ville martyre, détruite à 75%. Notre-Dame de Paradis, ce magnifique vaisseau de style gothique, fait figure de miraculé. On va aller sur le clocher. L'échafaudage avance pas mal. Et l'idée, c'est peut-être... Depuis plus de 10 ans, Pierre-Laurent Constantin est chargé de mettre en valeur ce patrimoine rescapé. Ce matin, il guide une étudiante en histoire pour lui faire découvrir les coulisses de Notre-Dame de Paradis. Des contreforts, et on trouve cette fameuse pierre de Locoyarn là qui est un petit peu jaune et qui a manifestement a permis la construction de beaucoup d'édifices sous l'Ancien Régime autour de ça. Pour célébrer son 500e anniversaire, l'église fait peau neuve. C'est-à-dire que là, les parties un peu plus claires, c'est du neuf aussi en fait par rapport voilà. À l'ancien. Là, tu vois bien, il y en a une demi et puis trois, quatre, voilà, quatre parties neuves qui sont sur cette partie-là. Le clocher et sa flèche, qui culminent à 65 mètres de hauteur, sont en pleine restauration. D'ici, Amélie peut admirer des décors exceptionnels. Là, on a une très très belle gargouille, avec ses petites ailes, son espèce de queue, sa queue tréflée, ou même il a une crinière. Ici, on a pas mal de gargouilles ornementales, qui en fait sont juste là pour représenter le démon. Pas forcément faire écouler de l'eau, hein, parce que la gargouille, c'est le diable qui est chassé des murs sacrés de l'édifice. Voilà pourquoi aussi elles sont étirées. Et puis c'est pour faire prendre conscience aux gens que le monde extérieur est le monde de la tentation, est le monde du mal, est le monde du malin. Et qu'effectivement, par définition, quand on est à l'abri dans l'église, bah, on est dans la maison de Dieu et on est a priori protégé de ce démon. Ici, on est sur un des points forts et un des phares de l'architecture religieuse en Morbihan. Et notamment au long de la vallée du Blavet. C'est elle qui ouvre le bal
sur tous les édifices qui filent jusqu'à Pontivy. Le Blavet relie le cœur de la Bretagne à l'océan. Il creuse sa vallée entre landes et forêts, dessinant les paysages les plus variés du Morbihan. Dès le Moyen Âge, les berges du fleuve sont aménagées. Et au XIXe siècle, on creuse un canal. Le Blavet est domestiqué avec une succession de 28 écluses. La vallée est parsemée de trésors d'architecture. Comme ici, à Kistinik. Où au milieu des bois se découvre Villeneuve-Jacquelot. Un manoir de style italien, bâti au XVIe siècle. À Pontivy apparaissent les hautes douves de schiste et de granit du château de Rohan. Remonter le Blavet permet aussi d'admirer des centaines d'édifices religieux. Des chapelles dédiées aux différents saints qui christianisent la région. À Plumeliot, on aperçoit de loin l'imposante tour de Saint-Nicodème, édifiée au XVIe siècle. Une perle de l'architecture gothique de 46 mètres de haut. C'est au XVIIIe siècle que le presbytère et l'enclos sont ajoutés. Ces monuments sont les marqueurs de ce territoire. Pierre-Laurent connaît l'histoire de chacun d'entre eux. Il y a autant de chapelles en Bretagne qu'il y a de jours dans l'année. Donc déjà, ça, c'est extrêmement surprenant, la densité qu'on trouve sur ce territoire. On a quelques communes à l'intérieur des terres où on peut avoir jusqu'à 6, 7, presque une dizaine de chapelles par commune. Donc déjà, ça, c'est assez impressionnant. Et puis surtout, quand on découvre une architecture fabuleuse et dès qu'on pousse la porte, on a des retables, on a de la statuaire. On a vraiment un panel extrêmement large. Et ça, c'est assez extraordinaire. Avec Amélie, ils sont en route vers l'édifice le plus insolite de la vallée. À Bieuzy, au pied d'une falaise, est blottie une minuscule chapelle. Elle semble prise en étau sous cet énorme rocher. Selon la légende, cet édifice serait l'ermitage de Saint Gilda, un ecclésiastique originaire de Grande-Bretagne. La grotte de ce moine solitaire est aménagée en lieu de culte au XVe siècle. Là, tu as, ça c'est assez étonnant, tu as une chaire extérieure. Donc en fait, Gilda a monté ici, dit-on, pour pouvoir haranguer la foule, avec voilà, cette particularité. Alors on dit que c'est le pied de Saint Gilda qu'il aurait posé ici pour pouvoir se caler et haranguer la foule assemblée en dessous au bord du Blavet. Voilà, tu vois, là. Fais attention, là, ça descend. En contrebas se dévoile une fontaine réputée miraculeuse. De la fontaine avec un petit bac comme ça de rétention au milieu. Depuis des siècles, les femmes s'y rendent pour combattre la stérilité. On a des liens très forts entre les fontaines et certaines pathologies. Plus haut, à Saint-Bieuzy, on soigne la rage.
à Saint-Nicodème, pas très loin, elle protège les bestiaux, mais aussi les maladies de peau. Donc au moment du pardon, les hommes venaient se raser et se rincer avec, avec l'eau sur cet élément-là. Donc on a, voilà, on a tout un tas de rituels qui se font autour de ces fontaines. À Saint-Gilda, le plus étonnant se trouve à l'intérieur de la chapelle. C'est ce qu'on appelle la pierre sonnante de Saint-Gilda. C'est une pierre qui a des composés métalliques assez particuliers. Et quand tu prends un bloc et que tu la frappes, alors là, elle est à l'intérieur de la chapelle, mais quand on est à l'extérieur, on l'entend vraiment bien avec toute la falaise qui fait caisse de résonance. L'ermite se servait de cette pierre pour convier ses fidèles à l'office. Côté mer, le Morbihan est connu pour ses nombreuses îles. Elles offrent toutes un visage différent. À l'est de la côte, le phare des Cardinaux marque l'accès à Édic, la plus petite des quatre grandes îles du département. Son climat doux en fait un site privilégié pour les botanistes. On y dénombre au moins 500 espèces de fleurs, le tiers de la flore morbihanaise. À 5 km à l'ouest, apparaît l'île d'Ouate. Sa longue plage de sable fin est renommée comme l'une des plus belles des côtes françaises. Son fortin du 19e siècle récemment restauré rappelle que Ouate a longtemps été convoité par les flottes anglaises et espagnoles. Entre l'île et le continent s'élève le phare de l'Athénius. Construit sur son rocher en 1843, il est un point de passage en direction de la plus grande des îles bretonnes, Belle-Île-en-Mer. Avec ses 17 km de long sur 9 km de large, elle offre sur sa côte sud une succession de falaises contre lesquelles viennent se briser les vagues de l'Atlantique. Le contraste est saisissant avec le cœur protégé de l'île où se succèdent des landes et des champs d'orge et de blé. Face au nord, moins exposé à la violence de l'océan, se détache le plus grand des quatre villages de l'île. Le Palais. Son port est protégé par les remparts et les murs massifs d'une citadelle. Elle a été édifiée par Vauban à la fin du XVIIe siècle sur d'anciennes fortifications. Elle devait protéger Belle-Île-en-Mer contre les agressions, mais elle n'a jamais servi. Transformée en pénitencier, on y enferme des prisonniers jusqu'en 1918. Aujourd'hui, le littoral de la plus grande île de Bretagne est protégé.
Salut Thierry. Ça se lève peut-être un peu, non? Ça va se lever. Ça va être bon. Ça va être bon. Tant mieux. Il y a un peu de vent, mais ça va aller. Arnaud de Wildenberg photographie l'île depuis 8 ans. C'est quand tu veux, Thierry. Allez. Quand tu veux. Il y a un peu de lumière, autant en profiter. Ce matin, il s'envole pour effectuer une série de clichés sur la côte sud. L'hélicoptère atteint les falaises de Goulfar. L'île est magnifique et l'hélicoptère permet d'avoir accès à des endroits totalement inaccessibles à pied. Je veux dire, moi j'ai beau faire des kilomètres et des kilomètres en marchant sur la côte, jamais je n'aurai les plans que peut offrir un hélicoptère. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. En plus, il te place où tu veux dans l'espace. Tu n'es pas dépendant de la dimension ni verticale ni horizontale. Tu peux aller à droite, gauche, tu vas partout. Au-dessus du goulet, Arnaud commence sa série de photographies. Non, on s'arrête. On va essayer. Ça va là comme ça? Impeccable, impeccable. Thierry Léniac, le pilote, est un ancien officier de l'aéronaval. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle lumière. Un petit peu de vent. Belle-Île, est... là on est sur la côte sauvage actuellement en train de voler. Là. Et Belle-Île est vraiment, vraiment somptueuse. Excusez-moi, essayez de te mettre au bout, là, que je vais vertical avec la caillasse. Là. La verticale, il faut que tu me laisses comme ça. Voilà. Parfait. Là. Voilà. C'est une côte très découpée, c'est vraiment la spécificité de Belle-Île, ces falaises, cette roche très creusée avec des plans successifs. Après avoir fait le tour de la pointe, Arnaud veut se rapprocher au plus près de la falaise. Lentement, le pilote commence à descendre. Il se positionne à une dizaine de mètres des rochers. Arnaud ne rate aucune grande marée, aucune tempête. Il réalise des clichés qu'il expose dans le monde entier. Photo-reporter pendant 20 ans, il a sillonné le monde et obtenu de nombreux prix. C'est là où on fait la différence de l'hélico. On peut venir photographier la tempête, alors qu'on ne peut pas le faire d'un bateau. De la côte, on s'en prend plein la gueule, alors que là, on a toute la mer qui vient se fracasser sur les roches. Et ici, c'est particulièrement spectaculaire parce que le relief vient arrêter la mer brutalement. Il n'y a rien entre les États-Unis et nous. Et les images sont somptueuses. «
J'ai une obsession de toute façon, depuis que je suis gamin, j'aimais toujours voir loin. Gamin, il fallait que je grimpe dans les arbres, ensuite j'ai fait de la montagne, et ensuite j'ai fait du parapente, j'ai fait du parachutisme, j'aimais voir loin. Alors évidemment, tu me mets dans un hélicoptère où ta vue ne s'arrête pas, ça peut pas être un meilleur bonheur pour moi, je veux dire, c'est extraordinaire. Le lendemain, au nord de l'île, près de la pointe des Poulains, Arnaud exerce son autre passion, la pêche en mer. Depuis une dizaine d'années, il est guide professionnel. Il emmène des fous de pêche sportive traquer les poissons dans les zones dangereuses et difficiles d'accès. Allez, mon petit Bruno, tu t'es mis à l'eau déjà ? Sa spécialité, la pêche au bar. Tu vois, tu as des oiseaux qui traînent. Et les oiseaux, s'ils traînent comme ça, c'est qu'ils voient des poissons chassés en surface. C'est primordial de faire attention au moindre signe que tu vois sur l'eau. Quand tu es photographe, si tu veux, tu as les yeux ouverts en permanence pour saisir une scène, etc. Et être photographe, c'est être curieux. Et là, on a besoin d'être curieux pour essayer de comprendre. Si les oiseaux chassent, c'est qu'ils chassent sur du petit poissonnet. Et sous les poissonnets, il y a des prédateurs. Poisson. Tu as besoin de l'épuisette, Bruno ? Après 30 minutes d'attente, c'est la première prise pour Bruno, son élève du jour. C'est un lieu. C'est très très bien défendu. Je pensais franchement qu'il était un peu plus gros que ça. Hop. Pour attirer le poisson, Arnaud a ses astuces. J'imite la sardine qui monte, simplement je fais des pauses pour créer un effet de curiosité. D'accord. Et ensuite si... Le poisson suit au moment en général où tu redémarres. Par convoitise, si tu veux, il a peur que ça lui échappe et il se jette dessus. Quand on vient pour apprendre, il faut vraiment écouter ce qu'on nous dit, quoi, tout simplement. Et là, décrocher. Il y avait un poisson. Hop là. Il vient vers moi. Je pense que c'est du bar. Le bar a le leurre dans la bouche et il secoue la tête pour se séparer du leurre, alors qu'un lieu va chercher à gagner le fond. Moi, c'est un bar. Hop. Tu vois, c'est un poisson magnifique. Voilà. Un beau poisson. Le bar vit dans les roches à une quarantaine de mètres de fond. Pour résister à la pression à cette profondeur, il remplit une poche d'air que l'on appelle la vessie natatoire. Comme on le remonte brutalement, il n'a pas le temps de se dégonfler. Donc en fait, moi, je vais le dégonfler en venant le piquer. Donc tu soulèves les écailles pour pouvoir passer. Tu vas transpercer l'épiderme. Tu traverses la paroi musculaire sur à peu près un centimètre. Et ensuite, tu arrives dans la vessie natatoire. Percer cette vessie natatoire permet au poisson de rester en vie. Car tradition oblige, dans la pêche sportive, on remet les poissons à l'eau. Et donc le poisson va s'équilibrer naturellement à la pression de surface. Une chose aussi que j'ai appris avec Arnaud, c'est pourquoi si on ne remet pas les poissons directement à l'eau, c'est parce qu'ils dégagent une phéromone de stress. Et quand vous les remettez directement à l'eau, cette phéromone se dégage au milieu du banc et prévient tous les autres congénères. Et dans ce cas-là, la pêche s'arrête. Dans l'après-midi, Arnaud se dirige vers une zone dangereuse, le trou de Vazen. Nous sommes dans la partie nord de Belle-Île-en-Mer. Super,
pêche sur bâbord ? Ça marche. Le ressac est puissant et seuls quelques connaisseurs peuvent s'aventurer ici. C'est au pied de ces falaises que l'on peut faire les plus belles prises. C'est la pêche la plus dangereuse que je puisse faire, la plus spectaculaire. Donc il faut être très vigilant et il faut que je puisse avoir accès à mes commandes très rapidement. Une fois la barre passée, Arnaud peut positionner son bateau au plus près d'un rocher. Fais gaffe, ça, là, le début est vraiment râpeux. Hein. Le but, c'est de mettre le leurre le plus près possible de la falaise au moment où la mer monte, en fait. Parce que le poisson attend que la houle arrache des crabes et de la nourriture à la côte. Mais tu peux le faire qu'en finesse, là. Très vite, la zone se révèle abondante. Oh ! Arnaud se laisse dériver à seulement quelques dizaines de mètres de la barre rocheuse, au plus près des éléments déchaînés. On a rêvé d'un décor plus difficile, hein ? C'est d'une richesse sans nom, c'est d'une richesse parce que je suis sur la mer tous les jours. J'ai déjà vu des bureaux plus encombrés. Et puis, l'autre aspect des choses, c'est l'aspect humain. C'est que moi, à travers ce métier, je peux faire partager ma joie, mon bonheur, et puis cette chance que j'ai d'être sur l'eau. Au même moment, à quelques centaines de mètres sur la pointe du talus d'Aumois, le seul apiculteur de l'île travaille dans des ruches qu'il a installées ici. Elles produisent un miel au goût particulier de bruyère vagabonde, une plante qui ne pousse pas sur le continent. Richard Laurence élève une espèce locale d'abeilles protégées. L'abeille qu'on a ici à Belle-Île, qui est très majoritairement une abeille noire bretonne typique, bien, elle arrive à travailler, même quand on a de la pluie, même quand on a beaucoup de vent. Il y a 4 ans, l'apiculteur a disséminé 500 ruches tout autour de l'île. Moi, j'aime l'idée d'être un peu au service de la nature. On est un peu en osmose avec nos abeilles, on se cale sur leur rythme, on se lève au moment où les abeilles sortent. Enfin, et puis, c'est vrai, il faut avouer que des fois, on a beaucoup de travail, on est épuisé, on se dit, oh, j'en ai marre. Et puis, on lève la tête, on se dit, ah oui, quand même, on voit l'océan. On se dit, ça va, il y a pire, quoi. Ce matin, Richard récupère ses cadres de bois dans lesquels les abeilles produisent leur miel. Là, je pense que sur cette ruche-là, on va faire un petit 20 kg, ce qui est pas mal. Hein. Si toutes les ruches avaient fait ça cette année, ça serait extraordinaire. Parce que 20 kg, c'est une très bonne moyenne, en tout cas pour Belle-Île. Voilà, on a encore un beau petit couvain pour une fin de saison. Alors là, on peut voir, c'est intéressant, une abeille qui est en train de naître. Voilà, la petite tête qui sort. Après la récolte,
l'apiculteur prend la route vers son laboratoire. Il y a 7 ans, Richard quitte Paris et un emploi dans l'informatique. Il s'installe ici et reprend l'entreprise d'un apiculteur bellilois. L'apiculture, je pense que c'est un métier où on essaye du moins d'être un maillon entre l'infiniment petit qu'est l'abeille et l'infiniment grand qu'est le ciel et les phénomènes météo. Et en fait, on doit être un peu en osmose avec ces deux grands éléments. Et c'est vraiment ce qui a fait que j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place dans ce métier. C'est que tout d'un coup, j'ai l'impression d'être un maillon un peu dans cette mécanique de l'univers. Il y a toujours des moments où on se rend compte qu'on est en pleine nature, on est en train de faire un métier qu'on aime, on lève le nez, on voit les bateaux au loin, on voit la mer. C'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Hein. À peine arrivé à la miellerie, Richard se lance dans la première opération. Il faut désoperculer. C'est-à-dire retirer la fine couche de cire qui protège les alvéoles remplies de miel. L'apiculteur le fait à la main. Dans l'industrie, cette étape est réalisée à la machine. Moi, je milite pour que le miel soit reconnu comme vraiment un produit gastronomique. Moi, je me vois vraiment comme un producteur et ce qui m'intéresse avant tout, c'est la qualité du miel. Puis, pour récupérer un maximum de miel, Richard place les cadres dans une centrifugeuse. En quelques minutes, le précieux liquide est extrait puis filtré. Il en obtient entre 5 et 9 kilos par ruche. Moi, j'essaye d'avoir des gestes finalement qui sont des gestes d'artisanat très simples et d'intervenir le moins possible sur le miel pour au mieux retrouver le goût qu'il y avait dans la ruche. Satisfait ? Je suis toujours satisfait. Vous êtes fier de votre travail, non ? Je trouve que c'est... Ce qui m'apporte de la fierté, c'est lorsque j'ai des clients qui me disent que c'est le miel qu'ils préfèrent et qui reviennent tous les ans. Là, c'est la véritable satisfaction. Je suis assez mal placé pour décréter si ce que je fais est bon ou pas. J'essaie de m'en approcher. Après, chaque année, on se dit, tiens, il y a une ou deux petites choses dans notre façon de travailler qu'il faudrait changer. J'essaie vraiment de m'approcher d'une qualité qui me paraît optimale. Donc avec plus de contrôle. Là, de toute façon, on a des miels qui sont vraiment à maturité. Et c'est vrai que dès qu'on a ce goût très percutant de bruyère qui arrive en bouche, ça c'est extraordinaire parce que ce miel-là, on ne le trouve pas ailleurs. Chaque année, Richard récolte entre 6 et 8 tonnes de miel. Le lendemain, il accueille une jeune chef de cuisine venue de Lorient, Nathalie Beauvais. C'est bon, j'ai l'impression que tout est protégé. Normalement, l'abeille ne peut pas rentrer. Première expérience alors. Première fois. Jamais piqué par une abeille en plus. Nathalie veut savoir comment est fabriqué ce miel avec lequel elle élabore des pâtisseries. Ah, on a un petit peu là déjà. Quelques traces de nectar qui arrivent. Bon, ça fait 2-3 jours que ça a été posé. À partir du moment où on rencontre le producteur, il y a un respect, parce que bon, il y a énormément de travail quand même autour du miel. Donc après, quand on a envie de le cuisiner, bon, voilà, on va avoir ce respect vis-à-vis du produit et automatiquement, on le fait mieux apprécier. Alors, il y a bien sûr la façon de cuisiner, mais après aussi la façon d'en parler. Et là, tu vas pouvoir voir un peu ce que c'est qu'une ruche qui est déjà d'une taille plus raisonnable. D'accord. Donc là, on a déjà du monde. Ouais. Voilà, on a une ruche de belle taille. Alors forcément, là, il faut faire attention quand on est sur des ruches comme ça parce que c'est quand même déjà bien gorgé de miel. Il ne faut pas non plus trop les enquiquiner. Ouais. Bon, c'est juste pour que tu puisses voir. Voilà, là, on a déjà... Là, on a des cadres qui sont bien pleins. Oui, d'accord, ok.
J'ai vraiment beaucoup de chance, en fait, entre la vue, l'apiculteur, les ruches. J'ai appris plein de choses et puis ça me fait encore mieux aimer mon métier parce que c'est vrai qu'il y a une ouverture sur plein de choses à travers la cuisine. Nathalie quitte Belle-Île en mer pour se rendre 30 km plus au nord-ouest. Elle est attendue par un autre passionné du terroir breton. Groix est l'autre grande île du Morbihan. Un territoire qui s'étire sur 8 km de long et 3 km de large. À l'est, se découpent les échancrures de la côte sauvage. Avant d'arriver sur la plage des Grands Sables. L'une des plus belles plages de Bretagne et l'unique exemple de plage convexe en Europe. Chaque année, elle se déplace de quelques dizaines de mètres. La pointe du Spernec protège Portudy. L'ancien port tonnier abrite désormais des bateaux de plaisance et accueille les navettes maritimes qui relient l'île au continent. À l'est, le phare de la Pointe aux Chats domine un paysage de landes. Près de la côte, un maraîcher relance la culture de l'artichaut dans ce champ de 3 hectares. C'est ici que la chef est attendue. Il y a des stades de maturité ? Oui. Là, il n'est pas mûr ? Là, il n'est pas mûr. On voit, il est tout tendre, il est tout... Nathalie Beauvais travaille avec Alain Rousseau depuis plusieurs années. Quelques-uns vont peut-être donner en fin d'année si vraiment l'automne est favorable. S'il fait beau. Voilà. Et si on ne les a pas en fin d'année, on les aura. Pour l'année prochaine. Celui-là, c'est vraiment le stade de récolte. Il est bon, là. Oui. Bon, il ne faut même pas traîner parce que maintenant, avec la chaleur, ça mûrit très vite. C'est quoi la saison des artichauts ? Pour moi, à Groix, ici, ça commence vers le 20 avril. Et jusqu'à mi-juin, vraiment, j'en ai beaucoup. Il y a 10 ans, alors que les agriculteurs désertent l'île du Morbihan, Alain s'installe à Groix. Cette terre maritime est idéale pour cultiver ce légume, originaire d'Afrique du Nord. Quand on est arrivé là, on a vu que dans les jardins, il y avait des beaux artichauts. Donc ça a été un signe pour nous, on va quand même essayer dans les champs. Et la surprise a été de voir, dès la première année, des beaux artichauts. Tu me tournes. Voilà, je mange en mange quelques inclus comme ça. Ah, vous en mangez, vous ? Oui. Comme ça, bon, ça m'arrive souvent. Puis à la fin, on a les lèvres et les dents vertes, mais... C'est un côté doux. Je préfère cuit quand même. C'est un côté doux amer. Mais c'est rigolo, ouais. C'est rigolo. Alain m'explique son métier. Après, le résultat est génial. C'est un peu aussi le bon côté de mon travail, en fait. Ouais. C'est bien sûr de cuisiner un produit, mais de savoir comment aussi il a été cultivé. Donc automatiquement, moi, je vais essayer de le transmettre à mon équipe, aux clients aussi. Après, bah, c'est vrai que c'est mon rôle, c'est de pouvoir le mettre en valeur. Donc bon, après, c'est mes petites idées, mes petites recettes. Pour son cours de cuisine, Nathalie veut associer l'artichaut à un poisson. La cuisinière va repartir sur le continent avec 3 kilos de ses légumes d'exception.
À 5 km au nord de l'île de Groix, se découpe la baie de l'Orient. C'est un vaste estuaire protégé par la citadelle de Port-Louis. Un vaisseau de pierre édifié au XVIe siècle. Ce fort a conservé son allure originelle. Il protégeait des attaques anglaises et espagnoles les navires de la marine française. C'est ici, en 1666, que Louis XIV installe la Compagnie des Indes, qui commerce avec l'Asie. Au pied de ces hauts murs, accostent des bateaux chargés d'épices, de thé et de soieries, qui font la fortune de la cité. Depuis trois siècles, l'Orient est l'un des plus importants ports militaires de France. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en juin 1940, les Allemands y construisent une base sous-marine. Un gigantesque monument qui va causer la destruction de la ville. Pendant la bataille de l'Atlantique, ces sept blockhaus accueillent en permanence une trentaine de sous-marins allemands. Dès 1943, un déluge de bombes s'abat sur l'Orient. L'aviation alliée cherche à détruire cette base sous-marine. La ville est pratiquement rasée à 85%. À l'exception de l'énorme structure de béton qui, elle, a résisté. À la sortie de la guerre, l'Orient est une cité martyre. Architectes et urbanistes conçoivent une ville nouvelle. La renaissance de la plus grande cité du Morbihan dure presque 20 ans. Après un apprentissage dans un grand établissement parisien, Nathalie installe son restaurant dans sa ville natale. Il y a une ambiance dans l'Orient. Donc en fait, à partir du moment où on ressent tout ça, cette ambiance agréable à vivre. On apprécie même l'architecture. C'est vrai que c'est une ville qui a été détruite pendant la guerre, mais dans cette architecture, il y a une histoire. Donc quand on la connaît, on apprécie encore mieux sa ville. Et c'est vrai que moi, par mon métier, j'ai quand même de la chance de vivre dans un des plus beaux ports de pêche de France. Donc c'est vrai, de pouvoir profiter de ce port tous les jours quand je travaille, c'est quand même assez extraordinaire. Tous les matins, Nathalie vient à Quéroman pour acheter ses produits. Avec ses quatre criées, le port de pêche de l'Orient est le deuxième de France. Aujourd'hui, pour son cours de cuisine, Nathalie choisit d'abord des langoustines. Bonjour. Ça va, Nathalie ? Ouais, ça va. Il y a des langoustines ce matin ? Il y a un petit peu, ouais. Elles sont bien vivantes. Elles sont vivantes. C'est le premier signe de fraîcheur, ouais, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Donc si tu veux, il y a cette taille-là. Et sinon, on a un petit peu de trier. Non, qui est mais écoute, moi j'aime bien cette taille-là. À partir du moment où elle est vivante, ça me fait une langoustine qui a une belle tenue et qui a un petit goût de noisette. Alors donc là... Puis elle sélectionne un merlu, petit au plus grand. La spécialité des pêcheurs lorientais. Tu as de quoi faire ton marché. Alors en fait, moi je vais faire du filet avec aujourd'hui. Je vais les envelopper dans une crêpe. Donc je vais partir sur celui-là en fait. Un merlu d'environ 2 kg. Voilà. Donc ce qui est important, il faut qu'il soit bien ferme, les yeux bien globuleux, brillants, les branchies, donc ils sont là. Voilà, bien rouges.
Voilà. Après l'œil, qu'il n'y ait pas trop de traces de sang sur l'œil, bien globuleux, bien brillant. Et après, que la chair du poisson soit assez ferme. Chaque jour, la cuisinière puise son inspiration ici, au cœur de la criée. Pour ses élèves du jour, Nathalie a imaginé une recette typiquement bretonne qu'elle veut revisiter. Ce matin, ils sont 6 amateurs passionnés de cuisine. On va faire un filet de merlu en papillote de sarrasin qu'on va servir après avec un jus de langoustine à la sauge. On va falloir qu'on cuise des langoustines. On va utiliser les carcasses des langoustines pour faire la sauce. On va parfumer avec de la sauge. Et notre légume pour accompagner ce plat-là, ça va être les artichauts. Donc on va commencer par les artichauts. Pour commencer, ils vont travailler les artichauts de Groix. Parce qu'on va cuire les artichauts donc dans de l'eau bouillante salée. Le truc, c'est que l'artichaut a une queue, bien sûr, et a un peu de fibres. Les fibres remontent un petit peu dans le cœur de l'artichaut. Donc pour essayer d'enlever un petit peu les fibres du cœur, tout simplement, il ne faut surtout pas couper la queue, il faut arracher la queue de l'artichaut. Et comme ça, quand on arrache, donc je vais vous laisser faire, quand on arrache, en même temps, on enlève les fibres, voyez ? Voilà, c'est le petit truc. Et comme ça, ça m'a permis d'enlever les fibres de l'artichaut. Alors, il faut tourner c'est dur, un petit hein. peu. Voilà. Voilà. Après le professeur, c'est au tour des élèves. Les fibres restaient dans le cœur. Voilà, impeccable. Tu vas pouvoir mettre les artichauts en cuisson. Alors, les artichauts, de l'eau légèrement salée, pas trop. Et normalement, voilà, normalement c'est entre une demi-heure et 40 minutes de cuisson. Alors, les langoustines. Pour le repas, ces artichauts sont associés aux langoustines. Là, c'est ce qu'on appelle les toutes venantes. Et là encore, Nathalie a son secret. Par contre, elles sont vivantes. Et moi, c'est ce qui est important. Pour conserver leur goût, ouais, ces crustacés doivent être cuits vivants. Voilà, elles me pincent. Et il n'y a pas de clou de girofle, il n'y a pas tout non, ça. Non, par contre, une eau très salée. Ça, c'est vraiment important. Mais ça cuit tellement vite qu'on n'a pas besoin de parfumer l'eau de cuisson. En moins de 2 minutes, le tour est joué. Il faut maintenant décortiquer les langoustines. Elles serviront de base à l'assiette de Nathalie. Les carapaces sont broyées et transformées en sauce. J'essaye d'en faire un peu une bouillie. Alors, pour l'artichaut, l'idée c'est d'enlever les petites feuilles du début, là, qui sont souvent un petit peu plus dures. Une fois cuit, il faut en préparer les cœurs. Ils sont poêlés pendant quelques minutes. Les feuilles décorent l'assiette. On va reprendre. Commence au début, là. Pour ce plat, Nathalie travaille une institution de la cuisine bretonne, la crêpe. Voilà, doucement. Et puis, parce qu'en fait, la crêpe. Il faut d'abord beurrer la galette de sarrasin. Voilà, un petit peu de sel. Pour y placer le filet de merlu. On replie la pointe. Tout est refaisable à la maison. Alors, c'est vrai que tout est simple. Travailler dans une cuisine de maison, il n'y a aucun souci. Je trouve en plus que c'est une ambiance plus agréable à la maison. Ça fait plus détente que dans une cuisine de restaurant. Plus joli. Après 7 minutes au four, le plat est prêt. Les crêpes sont placées sur les cœurs d'artichaut. Merci beaucoup. Pour Nathalie et ses apprentis cuisiniers, c'est maintenant l'heure de la dégustation. C'est un fruit, ouais. C'est une fleur, ouais, parce qu'il y a cette espèce de longue tige bleue qui pousse. Il y a des gens qui l'ont regardent manger. Très, très bien. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est très, très bon. Bon, alors, à la Bretagne. Au Morbihan, au Morbihan. Maman. Yamat. Yamat, tout signant. Yamat. Yamat Danone. Comment se vendre la gueule. Thank you.
À 15 km à l'est de Lorient, l'embouchure de la rivière d'Étel est protégée par une barre. Un banc de sable à fleur d'eau qui se déplace continuellement. Cet obstacle, infranchissable les jours de grand vent, marque l'entrée d'un chenal qui protège Étel, le principal portonnier de France durant plus d'un siècle. La rivière s'enfonce sur une quinzaine de kilomètres. Véritable enclave de la mer à l'intérieur des terres, ses limites sont modulées par les marées. Entre parcs ostréicoles et anses marécageuses, la Ria d'Étel est une véritable dentelle d'îles et d'îlots. À 10 km de l'embouchure apparaissent les roselières de la presqu'île de Locoal-Mandon. C'est ici que deux passionnés travaillent sur un patrimoine exceptionnel. Ce serait bien aussi c'est d'avoir la stèle et le calvaire aussi. Ah oui, d'avoir les deux. Patrick Huchet est historien. Avec Yvon Boel, ce matin, il photographie une stèle du 9e siècle. Ici, là, si tu peux arriver à voir les inscriptions. Cette pierre dressée de plus de 2 mètres de hauteur marque l'emplacement d'une tombe. Alors, c'est une stèle gauloise qui est datée par les archéologues de 4e, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ et qui a la spécificité aussi d'avoir été christianisée. On voit très très bien, il y a une magnifique croix pâtée là. Patrick et Yvon ont déjà publié une dizaine d'ouvrages consacrés à la nature et au patrimoine. Oui. Est-ce que tu peux la faire encore plus plus près? Oui. Il faut que je me rapproche. C'est la première fois qu'ils se consacrent à leur région d'origine. Ça fait 15 ans que Patrick et moi, nous sommes sur les chemins de Compostelle, en Espagne, un petit peu partout en Europe. Et ça fait un moment qu'on nous demandait de faire un livre sur la Bretagne, mais on ne voulait pas faire les livres qu'on voit un peu partout tous les ans qui sortent, qui montrent les lieux les plus connus, comme ici dans le Morbihan, Carnac, le golfe du Morbihan. Voilà, donc on s'est dit, on veut bien faire un livre sur la Bretagne, mais montrer nos coups de cœur. Quoi. Voilà. Ici, s'est écrite une page de l'histoire de la Bretagne, la révolte des Chouans. Dans ce bois de la presqu'île de la forêt, s'est caché Georges Cadoudal, le chef des contre-révolutionnaires. Nous sommes en 1796. Ce Morbihanais prend la tête de l'insurrection royaliste et installe ici son repère secret. Il tire parti des cachettes qu'offre le bocage breton. Ah, c'est mon chemin d'enfance. Plus de 2 siècles plus tard, ce sentier de 2 km témoigne encore de cette épopée. Si on veut comprendre la chouannerie, l'histoire de Cadoudal, il est évident qu'il faut venir ici. Il faut venir sur le chemin. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre avec le chemin, avec les murets, que les chouans, qui étaient des habitants des campagnes, connaissant parfaitement le pays, tendaient des embuscades aux bleus. Donc c'est comme ça qu'ils ont conquis peu à peu tous les territoires, et à tel point que les bleus n'osaient plus sortir des villes. Hein, parce que dès qu'ils s'aventuraient dans les chemins, ils étaient attaqués par les chouans. Dans ce bois, Cadoudal avait installé ses abris, totalement invisibles. Enfant, Patrick Huchet a découvert l'un d'entre eux. Ah, voilà donc cette fameuse cage de Cadoudal. Voilà la cage de Cadoudal. Bah, écoute, va voir. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur, mais bon. Alors, ça va? Bon, tu regardes bien, hein, tu vas voir, penche-toi, tu verras. Dans ce trou de 15 mètres carrés, une dizaine d'hommes en armes pouvaient se dissimuler.
Ces cachettes ont été restaurées au début des années 70. Moi, j'en connaissais trois caches aménagées comme ça, dans les talus. Et quand on passait, on voyait absolument rien avec la végétation, absolument rien. On a des textes d'archives qui prouvent le passage des Bleus qui étaient venus à la poursuite de Cadoudal. Et ils pouvaient donc se cacher pendant un quart d'heure, une demi-heure, et les Bleus ne voyaient absolument rien. Après plusieurs mois de résistance, Georges Cadoudal réussit à quitter la presqu'île ici, à la pointe de Beguerlanec. Mais cette liberté sera de courte durée. Après avoir fui en Angleterre, il est accusé de complot contre Napoléon. De retour à Paris, il est arrêté et guillotiné en 1804. Aujourd'hui, avec son nouveau livre, Patrick veut faire découvrir l'îlot de la forêt et ce chemin historique. Ah bah pour moi, c'est mon pays natal, c'est le cœur qui parle, quoi. Et notre rôle à nous, c'est justement de faire découvrir voilà, ces petits paradis secrets. Nous quittons les traces de Cadoudal pour nous enfoncer plus en amont dans la Ria d'Etel et découvrir son panorama le plus renommé, ce hameau minuscule posé au cœur de la rivière. Saint-Cadeau est un village de pêcheurs relié à la terre par une digue de pierre. Au ras de l'eau, cette fontaine du XVIIIe siècle est submergée à chaque marée. Selon la légende, Saint-Cadeau venu de Grande-Bretagne fit jaillir ici une source miraculeuse, réputée pour ses pouvoirs contre les rhumatismes et la surdité. Et aujourd'hui encore, on vient dans cette chapelle pour y chercher la guérison. Face à l'îlot, cette minuscule maison est une ancienne cabane de surveillance des parcs à huîtres. Elle est devenue l'image emblématique du Morbihan. Depuis sa restauration, tout le monde connaît la petite maison au volet bleu. Elle figure sur la carte postale la plus vendue de Bretagne. Les volets bleus, les bateaux, les ajoncs qui sont un peu au loin. Puis c'est un peu le rêve d'avoir une petite maison dans une petite île comme ça, au milieu de l'eau. Donc voilà, donc ça parle à beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on est venu ici avec Patrick, parce que pour nous, pour notre Bretagne des paradis secrets, c'était montré, même si cette maison-là est très connue, justement, c'est prétexte à découvrir la région. Et c'est vrai que c'est des endroits qui sont à quelques kilomètres de cet endroit hyper connu et qui sont tout aussi charmants. Les deux auteurs reprennent la route et se dirigent maintenant vers la mer. Après 30 minutes de trajet, ils atteignent l'embouchure de la rivière d'Etel. Il passe devant le sémaphore de Plouhinec, d'où sont guidés les bateaux qui veulent rentrer au port. Ce soir, la mer est calme.
Yvon veut profiter de la lumière pour immortaliser ce site naturel et la barre d'Étel. Chaque fois que je viens faire des photos ici, le sable n'est pas au même endroit. Et on voit bien d'ailleurs, hein, y a une sorte de vague là, énorme. Ça fait penser un peu aux bancs de coraux qu'on peut voir dans certains atolls. Et ici, c'est du sable. Quelques jours plus tard, près de l'entrée du golfe du Morbihan, à Locmariaquer. L'estran, l'espace qui se découvre à basse mer, dévoile des trésors, des menhirs. Christian Obelst est prospecteur en archéologie. Il a mis au jour cette pierre d'une dizaine de mètres de long. Ce mégalithe, dissimulé sous un amas d'algues, est sa dernière trouvaille. Quand j'ai découvert ce menhir, ça faisait un siècle qu'on n'avait pas trouvé un menhir de cette taille-là dans le Morbihan. Ça permet de mieux prendre conscience des types de populations, des types de structures auxquelles on a affaire. Dresser des blocs d'une taille aussi énorme, ça impose évidemment une société tout autre que l'image d'Épinal que nous avons des sociétés néolithiques. Christian a fait cette découverte à seulement quelques kilomètres du plus grand site de pierres dressées au monde, les alignements de Karnak. Plus de 3000 menhirs et plusieurs dizaines de dolmens dressés sur plus de 4 kilomètres entre 5000 et 2000 ans avant notre ère. Jusqu'au 19e siècle, ces alignements suscitent peu d'intérêt. Les blocs sont pillés et servent même de remblai pour construire les voies ferrées. En 1880, pour mettre fin à la destruction, l'État se porte acquéreur de ces terrains. Aujourd'hui, les mégalithes de Karnak sont protégés et les visiteurs doivent être accompagnés par un guide. Christian vit ici, dans cette petite maison, au cœur du site. Ce matin, il reçoit un archéologue amateur, Olivier Sello. 1832, le géomètre anglais Murray Cause. Depuis trois ans, ensemble, il cartographie toutes les pierres levées qu'il découvre dans le département. C'est relié tout ça. Mais c'est énorme, ça. On n'a pas fini de faire le relevé encore. Hein. Tu viendras avec nous, tu verras, on s'amuse par là. On peut le voir par rapport à ces plans, tu vois, c'est une photo. Ils espèrent trouver des réponses à cette énigme de l'histoire. Les hypothèses les plus couramment avancées sont les hypothèses astronomiques, des alignements orientés vers certaines étoiles. Mais on se rend compte que les alignements, a priori, pour ce que je constate en tout cas, sont orientés de manière aléatoire. Alors l'hypothèse astronomique est commode puisqu'il y a des étoiles partout dans le ciel, donc on arrive toujours à aligner une file de menhirs sur un astre. Mais le fait d'aller voir sur place des sites non restaurés permet de dégager des constantes comme la proximité des points d'eau, la proximité de tertres et de tumulus, qui donne un regard un petit peu différent que celui communément admis. Jusqu'au classement du site, les agriculteurs transforment ces pierres taillées en bornes pour délimiter les champs. Pour les scientifiques, seuls 60% des menhirs ont été relevés et seulement 30% sont à leur place originelle.
Dans les forêts et les bois autour de Carnac, les ensembles de pierres sont partout. Et on continue régulièrement d'en identifier. Dans le bois de Kergué-Arec, Olivier et Christian se dirigent vers leur dernière découverte. Oui, alors que j'en ai relevé une partie, mais on va prendre le débroussaillage, je peux y voir plus tôt. Ouais. C'est celui-ci ? Ouais. On va le dégager, on va passer un coup de brosse dessus. Un bloc de plusieurs tonnes, dont seulement quelques centimètres à fleurs. Il n'est pas en bonnet, hein, par contre. Je m'en suis douté, tu vois, il y a eu pas mal d'éclats dedans, il y a des parties qui ont été brisées. Ouais. Et notre grande surprise, on pensait qu'on avait à faire une petite dalle. Et on est tombé sur ce bloc, qui est quand même assez important, qui n'est pas naturel du tout. C'est une phase d'arrachement, il y a eu quelques cassures dessus. Sans doute les racines d'arbres qui s'infiltrent et qui abîment le granit. Et c'est pas le même granit que celui qu'on voit dans les éléments de Carnac, c'est un granit à grain beaucoup plus gros. Avec ces relevés, les deux archéologues espèrent élucider une partie des mystères des alignements de Carnac. Même si c'est frustrant de les voir coucher, pour nous, d'un point de vue scientifique, c'est passionnant puisqu'on a quelque chose qui est quasiment en l'état. Donc c'est un site qui a une valeur exceptionnelle. Ça. Archéologiquement, c'est vierge et on a des blocs dont la plupart sont intacts. Le lendemain, au cœur du golfe du Morbihan. Olivier et Christian emmènent Cyril Chéniaud, un préhistorien. Depuis 5 ans, ce spécialiste se consacre à l'étude d'un site remarquable, Gavrinis. C'est l'île la plus haute de la petite mer. À son sommet, à 24 mètres d'altitude, est édifiée une énorme construction de pierre. Un cairn de 25 mètres de côté et 8 de haut. Le monument de Gavrinis est toujours intact, 5000 ans après sa construction. L'édifice recouvre une chambre funéraire. Pour y accéder, il faut franchir ce couloir de 14 mètres de long. Le sol est dallé et 23 des 29 piliers du tunnel sont gravés de motifs ornementaux encore bien visibles. Leur mystère demeure. On infère un discours graphique qui renvoie une pensée sociale complexe, parfaitement maîtrisée, parfaitement cohérente. Le problème, c'est qu'on n'a pas la pierre de Rosette. Bon, d'abord, on est... On n'a pas la clé, puisque de toute façon, on n'a pas d'écriture à l'époque. Donc, on est avant l'invention de l'écriture. Par contre, il y a un imaginaire collectif. Et je ne sais pas si un jour, on pourra dire, voilà ce que signifie les dalles de Gavrinis, mais on pourra au moins proposer au public une grille d'interprétation. Les scientifiques relèvent certains symboles aux motifs plus fréquents, comme des haches, des serpents ou des cercles. En fait, on a des gravures qui datent de 6500 ans, probablement, et qui fonctionnent encore très bien aujourd'hui. C'est un endroit où on a encore le droit de s'émerveiller, et ça nous permet effectivement d'espérer remonter à cette émotion collective qui a présidé la mise en place de ce discours graphique à 6500 ans. Selon les historiens, il a fallu plus de 500 ouvriers et 3 ans de travail pour élever ce cairn. C'est extrêmement douloureux parce qu'à chaque frappe, il y a tellement de vibrations. Pour mieux comprendre, Cyril expérimente les méthodes de travail des artistes du néolithique. Et en fait, on s'est aperçu que plutôt que d'utiliser la puissance musculaire, si tu simplement accompagnes la chute gravitaire du bloc, tu vois, du percuteur, ben en fait, tu peux travailler d'une manière beaucoup plus légère, tu vois, comme ça, simplement. Tu prends le bloc entre deux doigts,
Tu laisses plus ou moins glisser. En fait, tu laisses tomber, simplement, et tu vois, regarde, t'es extrêmement efficace. Ouais. Et puis en plus, tu profites de l'énergie cinétique de retour. Tu vois, regarde, hop, ça rebondit. Avec un simple percuteur de silex, l'archéologue réalise une copie à l'identique de la dalle numéro 6. Voilà, donc là, je viens de faire un premier petit trait que je vais souligner comme ça au doigt. Ben là, je vais pouvoir utiliser mon petit burin. Et je crois que la chose la plus troublante qu'on a réussi à montrer, c'est finalement la relative simplicité du geste et la rapidité de ce geste pour obtenir un résultat relativement significatif. Ce qu'il y a dans la pierre, c'est exactement ce qu'ils avaient dans la tête. Et maintenant, il faut rentrer dans cette tête, quoi. Pour reproduire les 61 mètres de gravure, près de 500 heures de travail lui seront nécessaires. La rivière de Vannes marque l'extrémité nord du golfe du Morbihan. Elle protège l'accès à la capitale historique de la région. Les petits ports se succèdent entre l'île d'Ars et la presqu'île de Conlo, un des premiers lieux de villégiature du sud de la Bretagne. Dès 1878, sont bâties ici une piscine d'eau de mer, des cabines de bain et un grand hôtel. Puis un long chenal rectiligne de 2 km permet d'accéder au port de Vannes. Un havre protégé des invasions venues de la mer, des tempêtes et des grandes marées. Il faut une heure de navigation pour relier l'océan à la cité portuaire. Jusqu'au XVIIe siècle, Vannes est une place stratégique du commerce maritime. Du blé, du sel et du fer partaient d'ici vers Bordeaux et l'Espagne. De cette époque fastueuse demeure le cœur de la cité. La vieille ville est la mieux préservée du Morbihan. Sur 1500 mètres de remparts qui ceinturaient la capitale du duché de Bretagne, près de 500 sont aujourd'hui visibles. Sur l'ancien tracé de la fortification, des dizaines de demeures témoignent de la grandeur de cette époque. Depuis 2009, les conservateurs de la ville en dressent un inventaire précis. Ce matin, dans la rue de l'ancienne prison, ils viennent étudier la muraille qui clôt ce jardin. Ici, la maison est comme posée sur le rempart. Christophe Le Pennec est archéologue. Il redessine les anciens contours de Vannes. C'était la courtine, donc c'était l'endroit qui faisait le tour de la ville. On pouvait faire le tour de la ville sur le rempart sans descendre et ça permettait de surveiller les alentours et la défense de la ville. Donc là, il y avait des soldats à l'époque qui pouvaient passer, effectivement. Et puis, il y avait parfois même des corps de garde où les soldats devaient surveiller en permanence, avec ce qui explique aussi qu'on a quelques constructions sur le rempart avec des petites cheminées où ils pouvaient effectivement se chauffer, se nourrir et rester en permanence à surveiller l'éventuelle arrivée d'ennemis. Au XVIIe siècle, Vannes s'agrandit. Les riches marchands bâtissent et installent même leurs jardins sur les remparts. On va voir ce phénomène où on a un port de terre qui peut atteindre parfois un mètre de haut. On a un mètre de terre végétale et les gens cultivaient. On a des mentions de jardins avec des trails, des plantes grimpantes sur les remparts. Le cœur de la cité est dominé par la cathédrale gothique Saint-Pierre.
Bâti sur une base romane, son édification prend 4 siècles pour se terminer en 1856. Vannes abrite un autre patrimoine remarquable. Ces maisons à pans de bois édifiées à partir du XIVe siècle. La ville en compte 220. C'est aujourd'hui l'un des ensembles les plus importants de France. 82 demeures sont inscrites à l'inventaire des monuments historiques. Rue Saint-Guénaël, deux des plus belles maisons sont en cours de restauration. Rachetées par le même propriétaire en 2005, elles commencent à livrer leurs secrets. Sur le chantier, des artisans se succèdent. Christophe Le Pennec, l'archéologue, retrouve l'architecte en charge des travaux. Ici, quand on arrivait, il faut imaginer qu'il y avait des cloisons en plate partout, un faux plafond qui arrivait à 2,50 m, la hauteur de la fenêtre. On ne voyait plus rien, donc on a piqué les cloisons à briques qui étaient là. Et on a trouvé, alors d'abord, les dalles de pierre, là, vous voyez, plates, là, celle-ci, là, ce qu'on appelle des coussièges, avec la petite dalle en bas. Alors ça, c'était intéressant parce que c'est des dispositifs anciens. Au fur et à mesure de la restauration, l'équipe fait parler les murs. Au deuxième étage, les ouvriers ont découvert une cheminée sous un décor du XVIIe siècle. Normalement, dans des maisons comme ça, on a ce qu'on appelle des pièces à feu. C'est-à-dire on a une grande pièce avec une cheminée, on fait tout. C'est-à-dire on loge, on cuit, comme dans les vieilles fermes. Il faut avoir ça un peu à l'esprit. À côté de ce premier logis, Jean-Pierre Lecomte dirige aussi la remise en état de cette ancienne échoppe. C'est une petite échoppe commerciale, hein, avec le grand volet bois qui ferme, qui se rabat et qui fait étal sur lequel on peut mettre les différents objets qu'on vend, quoi. C'est un tout petit bâtiment artisanal, c'est très très étroit, très peu logeable, et au-dessus il y avait le logement. Pour retrouver la couleur originelle, l'architecte a là encore mené son enquête. On a retrouvé dans les petites moulures qui sont en haut là, des traces de bleu, exactement ce bleu-là. Ça veut dire qu'au Moyen-Âge, il y avait multitude de couleurs à Vannes ou c'était comment? On n'a pas vraiment de traces. On pense qu'ils avaient plus le goût de la couleur que de nos jours. Il y a eu plein d'études sur les cathédrales qui étaient totalement colorées. On retrouve dans les bâtiments en pierre de la couleur, donc a priori, sur le bois, on devait protéger avec des teintes. Il y avait une charte chromatique ou pas du tout? Il y avait une liberté. Sans doute plus faible. En fait, la vraie gamme chromatique, c'était ce qu'ils avaient sous la main. Donc ils utilisaient plutôt des ocres, des choses comme ça. Le bleu est une teinte rare. C'est la dernière trace qui apparaît, donc on y va joyeusement. En fin de journée, Jean-Pierre Lecomte quitte le centre-ville. Il part pour une courte navigation sur le golfe avec des amis. Allez, vas-y, attaque. L'architecte se rend sur un autre chantier qui lui tient particulièrement à cœur. Essayez de m'approcher un petit peu. Marée basse, là c'est très plat, mais du côté droit c'est un peu plus creux. Ah, apparemment. Là c'est plus sable. La restauration de cette tourelle du 19e siècle, édifiée sur un rocher, devant l'île de Bohême. Au milieu des années 80, la tour est laissée à l'abandon et menace de s'effondrer. L'État envisage même de la faire démolir. En 2007, il confie la concession du site à l'association Ténéro. Aujourd'hui, les travaux sont terminés. Ce petit trésor du patrimoine maritime est sauvé. À l'origine, c'est un bâtiment qui surveillait les parcs à vitres. Les premiers parcs à vitres du Golfe, c'est ici. Donc c'est un bâtiment du 19e, tombé en ruine. C'était une petite tour avec une... Il y avait un logis en haut pour dormir. Hello!
Ouais, ça va être très très bon là. Pour là, fêter la renaissance de la tour, une dizaine de membres de l'association s'est donné rendez-vous ce soir sur l'îlot. Si certains ont décidé d'arriver par la mer, d'autres profitent de la marée descendante pour arriver par la grève. À marée haute, Ténéro est cerné par les flots et inaccessible. C'est un autre architecte, Jean-François Robiou-Dupont, qui a fédéré toutes les énergies. Ténéro ne serait pas aussi beau s'il n'y avait pas ce mystère de comment y aller. Là, c'est un patrimoine architectural de l'imaginaire et de l'inaccessible. Donc, le trajet pour y accéder fait partie de tout ça. Durant 6 ans, les bénévoles ont consacré leurs week-ends et leurs vacances pour redonner vie au monument. En fonction des compétences de chacun dans le groupe, on est là, on fait la cuisine, on fait la vaisselle, on fait les travaux, on monte les ardoises. Voilà, chacun participe, c'est sympa. C'est un beau bâtiment, ça a du cachet, ça a une valeur en soi, ça raconte une histoire, donc il faut le préserver. Aujourd'hui, les murs et le toit sont rénovés. Ah oui, il y a combien d'étages ? À l'intérieur, les bénévoles ont aménagé simplement les 2 pièces. Le premier étage offre une vue imprenable sur le golfe du Morbihan. Ouais, la lumière est très belle. C'est des meurtrières. Grâce à l'association, Ténéro a retrouvé son allure originelle. Il ne faut pas en faire une maison de poupée. Hein. Il faut que ça reste un gîte de haute montagne à marée basse. L'objectif de l'association est de créer ici un observatoire dédié à la protection de l'environnement et du patrimoine. Il y avait trois bateaux pareils. Ça s'appelait des... Le lendemain matin, quelques kilomètres plus au sud. Bernard Pallard et sa femme Catherine se dirigent vers leur résidence secondaire. Du maçon, elles sont toujours ici. C'est ça que tu prendras ? Des jambes ? Non, des jambes métalliques. Une propriété peu banale, c'est l'une des 43 îles de la petite mer. Un court et un long, c'est le court qu'il faut prendre. Après 20 minutes de navigation, ils atteignent Crézic. C'est une petite parcelle de 3 hectares posée à quelques encablures de l'île aux Moines, la plus grande du golfe. Interdite au public, elle appartient à la famille de Bernard depuis 6 générations. Si aujourd'hui Crézic est bien entretenu, cela n'a pas toujours été le cas. Être propriétaire d'une île n'est pas simple. Et depuis plus de 30 ans, Bernard et Catherine se battent pour sauvegarder ce petit écosystème exceptionnel. À Crézic, il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de gaz. Il faut tout transporter à bord de ce canot. Une contrainte qui n'effraie plus Bernard. C'est particulièrement facile aujourd'hui parce que la mer est haute, l'île est juste là. Mais quand la mer est basse, eh bien c'est jusque là-bas. Jusque là-bas, il faut marcher donc sur l'estran. Le couple va passer une semaine dans la seule bâtisse de l'île, cette petite maison rustique. Voilà, comme ça. Le premier geste est toujours le même. C'est
ce bassin pour prendre des douches. Il faut installer le bac à douche. Parce que dès que... Bernard le pose sous cet arbre où il placera une vache à eau. Voilà, mais dès qu'il y aura un rayon de soleil, on met la poche au soleil et puis voilà, ça peut pas être plus simple, c'est vieux comme le monde. Ensuite, autre nécessité, il faut faire du feu. Ça, c'est les premiers gestes quand on arrive au Plaisic. Alors surtout l'hiver, parce que le premier geste c'est pour se chauffer, parce qu'il fait froid ici. Hein. Mais c'est surtout pour la cuisine aussi. Hein. Tout à l'heure, dans trois quarts d'heure, tout ça sera des braises. Catherine a découvert l'île l'année de son mariage. Nous sommes très très adaptés à ce lieu. C'est-à-dire que s'il fait très froid ici l'hiver, je ne m'en aperçois pas. Mais la même température chez moi dans ma maison de ville, ça me semblerait inconcevable. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a un petit moteur pour faire une ampoule le soir, il n'y a pas de chauffage, ça nous suffit. Crézic est un refuge pour les oiseaux marins comme les goélands et les sternes. En 1974, Bernard décide de transformer la pointe sud de son île en sanctuaire ornithologique. Et 12 ans plus tard, son combat est reconnu par un arrêté préfectoral de protection du biotope. Depuis, il est interdit d'accoster. Nous sommes au début de l'été. C'est la période de ponte pour les goélands argentés. Là, il y a deux œufs, là. Oh, le petit bouge, il est en train d'éclore. Tu vois, il va sortir aujourd'hui. Demain, il y aura un tout petit poussin. Et puis les deux autres, pareil. Hein. Mais là, il est en train de fracturer sa coque. Un peu plus loin, d'autres oisillons ont déjà quitté leur coquille. Bernard part à leur recherche. Tu vois, celui-là, il doit avoir 4-5 jours, il est déjà fort. Regarde le camouflage, c'est quand même pas mal, gris et blanc. Là, on les gêne pas en venant comme ça. Non, comme on reste très brièvement et on reste que sur cette bande-là, on fouille pas trop dans les herbes. On les laisse, ils ont une cache naturelle ici. Non, c'est plus embêtant quand on vient, quand il y a les œufs. À partir du moment où il y a les petits, il est sûr que les parents, d'ailleurs, ils sont là, ils tournent autour de nous, ils attendent qu'on s'en aille. Il est 20h. Venu en voisin de l'île aux moines, Eric Forgue est attendu pour le dîner. C'est coup de feu de printemps pour avoir chaud. Miam, 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 miam. Eric habite le golfe depuis 30 ans. Il connaît tous les propriétaires des îles privées. Il fait souvent de la betterave crue. Ici, c'est très dommage parce que tu viens longtemps. Oui, ça bien. Dans le golfe, sur les autres îles, on a une vie un peu plus mondaine, c'est évident. Là, c'est rustique, bien, c'est splendide, cuit sur le feu de bois. C'est génial. L'hiver, moi, je les admire. Quelquefois, je vais aller voir l'hiver. Il fait 2-3 degrés. Ça ne doit pas être facile. Même il n'y a pas de chauffage. Il fait très froid. Il y a peu de personnes viennent nous voir en vacances, en loisirs. C'est pas une île de loisirs. Ah non. Non.
pour nous et pour Catherine, c'est vraiment une maison de travail. On dit souvent, ce n'est pas une maison secondaire où on sens où on vient se prélasser. Et dans le, on a tout à fait le droit de se prélasser quand même. Mais nous, c'est pas notre truc. Ce qui nous intéresse, c'est faire vivre l'île plus que de faire vivre la maison. Le lendemain matin, Bernard et Catherine ont fait un aller-retour sur le continent. Ah oui. Ils en reviennent avec une cargaison un peu particulière. Un mouton. À mon avis, la rencontre devrait pouvoir se faire là. Tu vas voir tes nouveaux copains. Voilà, mon petit bonhomme. N'ayez pas peur. Ce jeune mâle va retrouver deux congénères qui vivent sur Crézic depuis 3 ans. Oui, bien. Allez. Ces moutons d'Ouessant, très rustiques, servent à entretenir naturellement la petite prairie. Ben oui, hein, c'est nouveau un peu ici. Ah oui. D'ailleurs, regarde, il a tendance à rester à côté d'eux. Mais là, il cherche sa mère. Forcément, il vient de quitter sa mère. Alors, mais tu vois, c'est très bien, ils restent ensemble, on se groupe. C'est mieux qu'il aille vers eux que vers nous, pour l'instant. C'est ce que faisaient les anciens, hein. On faisait paître les animaux sur des prairies. Et puis, il y a aussi une autre fonction, c'est qu'ils occupent l'île. Quand on n'est pas là, l'île est occupée. Bernard mène ici un véritable travail de naturaliste. Où sont partis les deux petits là-bas ? Il recrée des prairies pour que l'herbe y reprenne ses droits. Inlassablement, il désherbe à la main. Auparavant, l'île était recouverte de fourrés, de ronces, de prunelliers et de troènes. Non, mais dans 2 ou 3 ans, il n'y en aura plus ici, parce qu'on va les éradiquer. Toutes, en les fatiguant. On les fatigue en les coupant, et quand tu les coupes, ou quand tu les arraches, parce que le mieux, c'est de les prendre comme ça, les arracher, et comme ça, le rhizome qui est en dessous, qui est à l'horizontale, il y a un réseau capillaire de rhizome en dessous. Hein. Il est coupé. Si vous... Non, il n'est pas coupé, mais il est épuisé. Il est nourri que par ça, mais si vous enlevez ça, ou si vous cassez ça, il est épuisé, et au bout de 2 ou 3 ans, il s'épuise, et il n'y a plus de fougère. Alors, quand c'est pas coupé, c'est ça. Le fourré, c'est ça. Et encore là, c'est un fourré bas. Et c'est très pauvre là-dessous. Il y a très peu de diversité. Très, très peu de diversité. Mais il en faut un petit peu du fourré. C'est pour ça qu'on ne coupe pas tout. Hein, il faut une mosaïque, une alternance de choses, puisque ça correspond à, apparemment à ce qu'il faut pour l'île. Hein. Grâce au travail de Bernard et Catherine, des dizaines d'espèces végétales sont réapparues. À Crézic, un écosystème est en train de renaître. C'est pas pour identifier, mais c'est pour le plaisir, parce que c'est tellement beau. Claudine Fortune est botaniste. Juste pour le plaisir, on va dire. Elle vient régulièrement sur l'île pour y dresser un inventaire précis. Ils ont fait un travail colossal, tous les deux, Bernard et Catherine. Un travail de titan. Ils ont défriché et grâce à eux, on a gagné des espèces. Donc il y avait des graines qui étaient là, à l'étal attendant le sol, donc qui attendaient de pouvoir germer, en fait. La loupe aussi, c'est sympa, ça aussi. Ah oui. Ornithopus perpusillus. Pied d'oiseau délicat, le nom français. Oui, oui. Pied d'oiseau délicat. Drôle de nom, hein. Ah oui, ça il faudrait pour... La nature, si on la laisse sous cloche, si on ne gère pas, on ne va pas préserver la diversité de cette façon. Pour préserver la diversité, il faut gérer les milieux. Si on laisse faire la nature, spontanément, les milieux se referment. L'intervention humaine, justement, elle doit être là, favoriser la diversité. Les espaces naturels peuvent être gérés
par des particuliers et peuvent être parfaitement gérés. On y consacre beaucoup de temps, c'est sûr. Hein. Mais comme dit le poète, seul vaut ce qui a coûté du temps aux hommes. Là, ouais. Ça nous coûte beaucoup d'énergie, mais on ne se plaint pas. Ça nous rend sentu. Aujourd'hui, l'île de Crézic est protégée par la charte Natura 2000. L'obstination de Catherine et de Bernard a porté ses fruits.